le border collie est chien naturellement élégant. Avec son fin museau et ses yeux doux brillants d'intelligence, le border collie nous charme à coup sûr. On se le représente noir et blanc, trottant gaiement derrière les brebis égarées. Pourtant, la réalité est bien plus complexe pour ce chien si mal compris par les humains. Le border collie nous vient de la région des Borders en Écosse, située à la frontière avec l'Angleterre. Il est issu de différents croisements avec le bobtail, le bearded collie, le pointer et le setter. C'est le chien de ferme par excellence, qui a de tout temps secondé les humains pour le gardiennage des ovins. Rameuter les bêtes égarées, changer le bétail de pâturage, guider le troupeau, tout semble couler de source pour ce chien de berger. Fidèle sentinelle, il veillera sur ses ouailles avec une particularité propre à sa race, le border collie travaille en rampant à distance. Endurant et souple, on le dit infatigable. Lorsqu'il arrive en France dans les années 1970, il est immédiatement plébiscité par les éleveurs. Malheureusement, son succès dépasse les enceintes des bergeries où ce chien de travail aurait préféré rester cantonné. La gentillesse et l'énergie du border collie ont attiré les particuliers. Ils l'ont peu à peu éloigné de son habitat de prédilection et de ses tâches habituelles. Faisant fi de ses besoins vitaux, les éleveurs ont sélectionné les individus dont la beauté plaisait aux futurs acquéreurs. Jusqu'au 1er avril 2018, seule l'épreuve avec un troupeau permettait de confirmer le border collie au livret des origines français. La Société Centrale a revu ses standards et aujourd'hui, avec la lignée de beauté, on peut certifier un pédigré avec des critères physiques. Le border collie n'est pourtant pas fait pour être un chien de compagnie, et son histoire au XXe siècle n'est pas des plus joyeuses. Privé des fonctions de travail pour lesquelles il avait été sélectionné sur des dizaines de générations, le voilà rendu inactif dans nos salons. Le border collie a une silhouette harmonieuse et élégante, avec des proportions bien équilibrées. Son crâne est plutôt large. Il a le museau pointu et les oreilles très écartées, droites ou semi-dressées. Sa hauteur au garrot est un peu inférieure à la longueur de son corps. Il porte une queue longue et généralement touffue. Toutes les robes lui sont autorisées sauf le blanc intégral ou dominant, signe de nombreuses anomalies génétiques. On retrouve des coloris noirs, chocolat, rouge, bleu merle, fauve très clair, beige, etc. Les couleurs peuvent être associées avec une teinte dominante ou en quantité égale. Grâce à son sous-poil dense, ce chien rustique supporte bien les variations de température. Le border collie est un travailleur infatigable qui a besoin de dépenses physiques et mentales quotidiennes. Particulièrement intelligent, ce gentil chien sociable et peu aboyeur est très actif. Il ne saura se contenter de courtes promenades. Plutôt docile et attentif à son entourage, il nécessite un bon accompagnement dès son plus jeune âge afin de canaliser au mieux son énergie débordante. En effet, le border collie est par nature trop sensible, et cela peut entraîner des troubles du comportement si son éducation n'est pas satisfaisante. Vous l'avez compris, ce n'est pas un chien à mettre entre n'importe quelle main et il vous faudra disposer de suffisamment d'espace et de connaissances pour le mériter. Ce chien de berger n'est pas fait pour résider en ville, il n'est pas et ne sera jamais un simple chien de compagnie. Il doit être stimulé intellectuellement tout au long de sa vie par des maîtres sportifs.
Si ces derniers ne vivent pas dans une ferme à la campagne, à la montagne ou dans un autre habitat de ce type, idéal pour cette race, ils pourront lui proposer des exercices comme les concours d'agility, les cours d'obéissance, l'obérythmé ou le dog dancing, des séances de pistage, etc. Des maîtres fermes et cohérents, voilà ce qu'il faut au border collie. Des humains aimants et attentionnés, mais aussi avertis, sauront éduquer cet adorable chien. Sociabilisé dès son plus jeune âge, il sera le compagnon parfait, capable de mémoriser et de comprendre plus de tours et de mots que ses congénères. Toujours en demande, il sera ravi de découvrir de nouveaux jeux qui le feront réfléchir et passer du bon temps en votre compagnie. Chazé, la Border Collie réputée pour être la chienne la plus intelligente du monde, connaissait le nom de plus de 1000 objets. Toilettage et entretien du Border Collie, quelle que soit leur longueur, les poils du Border Collie doivent être brossés au moins 2 fois par semaine, et si possible 3 fois. Pensez à le faire plus souvent lors des changements de saison, notamment au printemps et à l'automne. Comme pour tous les chiens, assurez-vous que ses oreilles et ses yeux soient propres, que ses griffes ne soient pas trop longues, qu'il n'ait pas de parasites, puces ou tiques. Les vaccins sont particulièrement importants pour ce chien qui préfère vivre dehors. L'alimentation du Border Collie doit être riche et bien équilibrée. Elle doit contenir un taux de protéines important et de très bonne qualité. Ses besoins énergétiques sont proportionnels à son niveau d'activité, normalement très élevé. Aussi, que vous le nourrissiez aux croquettes, à la ration ménagère ou que vous essayiez le barf, veillez à ce qu'il ne manque jamais d'apport calorique. Dû à une malformation de l'articulation, la dysplasie des hanches est une pathologie courante chez les Border Collies. Le chien est douloureux, boite ou se dandine, refuse les promenades ou fatigue vite. Pour pallier ce problème de santé, une bonne alimentation et des conditions de vie adaptées sont primordiales, particulièrement durant la croissance du chien. Le cas échéant, il existe des traitements pour le soulager, anti-inflammatoires, et des solutions non médicamenteuses comme la physiothérapie et l'ostéopathie. La race Border Collie est malheureusement sujette à des troubles oculaires, notamment cataracte et atrophie rétinienne progressive, autrement dit, il arrive souvent que le chien devienne aveugle de façon précoce. Ces problèmes génétiques n'ont pas encore de traitement efficace, mais il est possible d'effectuer un dépistage sur les parents du chiot, permettant de connaître le pourcentage de risque de maladie. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.